Bienvenue dans cette minute utile du musicien. J'espère qu'on va pas trop entendre le vent parce qu'il y a plein de vent. Donc j'ai mis une écharpe alors qu'il fait 45 degrés. J'espère que ça va être bon. Ici petit Paul. Là petit Paul. Ok, lui il est fait pour péter. Alors on y va. On va bosser un début de 4x3. On va faire plusieurs vidéos sur le 4x3. Le 4x3, ça veut dire que je vais prendre 3 noirs et que je vais faire rentrer 4 notes dans l'espace de 3. 4 notes identiques en longueur, d'accord? On clique, hein, je m'abonne parce que je suis gentil. Donc toi, tu es gentil, tu t'abonnes. Et ensuite, une fois que tu es abonné, il y a une cloche. Tu appuies sur la cloche parce que si tu appuies sur la cloche, tu es prévenu quand je fais une nouvelle vidéo. Donc le 4x3, ça fait 1, 2, 3, 4, 1. Mais pendant ces trois temps-là, j'en ai mis 4. 1, 2, 3, 4, 1. 1, 2, 3, 4, 1. 1, 2, 3, 4, 1. 1, 2, 3, 4, 1. OK ? Le but, c'est pas de les faire pas bien, d'accord? Donc vous verrez dans le PDF qu'il y a des choses, il y a des choses que les gens font qui sont pas forcément les bonnes. Là ici on va faire. Exercice 1. Exercice 2. C'est important de faire les coups vers le haut et coups vers le bas comme il faut au début. Et puis après, on pourra faire que des coups vers le bas si on veut. Mais au début, il faut faire coups vers bas, haut, bas, haut, bas. Parce que c'est bas, haut, bas, haut, bas. L'explication que vous allez voir dans le PDF, c'est qu'en fait, pour faire du 4x3, il suffit de faire des notes qui durent 3 doubles croches, l'équivalent de 3 doubles croches. D'accord? Parce que 3 temps en tout, ça fait 12 doubles croches. Et quand on divise ça en 4, ça fait 3 doubles croches. Ça fait 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Et après, je garde que le 1. 1, 1, 1, 1, 1. 1, 1, 1. Oh, je n'arrive pas à le faire. 1, 1, 1, 1, 1. C'est dur de faire. J'arrive pas à le faire bien vite. Donc n'hésitez pas à faire le 4x3 comme ça. 4x3, c'est super compliqué au début, puis après c'est vraiment un élément hyper hyper important, hyper facile. Quand on fait du funk, hein, ça on va le bosser demain, tiens. C'est du 4x3 souvent, il y a beaucoup de rythmiques de funk qui sont faites en 4x3, d'accord? Donc c'est 1, tac, 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 tac. Ça tombe sur le temps, la double croche numéro 4, juste avant le temps, donc ça fait 1, toc, 1, toc. 1, toc. 1, toc. 1, toc. Et le temps est juste après, d'accord? La troisième note de ce 4x3, il tombe sur le contre-temps d'après. Donc ça fait 1, toc, 1. 1, toc, 1. 1, toc, 1. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et la quatrième note, elle tombe juste après le temps d'après. Donc ça fait première double, quatrième double, contre-temps, deuxième double. Ça fait 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Pa, 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 pa. OK ? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Et donc ça fait bas, haut, bas, haut, bas, bas, haut, bas, haut, bas. Pour l'instant, il faut faire ça, d'accord? N'hésitez pas à les télécharger. Oh, j'ai les jambes défoncées. N'hésitez pas à les télécharger, le PDF. Le PDF, il est où? Il est dans les oubliettes du château. Vous appuyez sur plus ici en dessous et ça vous ouvre la description. Dans la description, il y a un lien qui vous envoie dans une espèce de crypte sous un château, sous un donjon. Et dans cette crypte, c'est fait pour vous. Il n'y a que des PDF dans tous les sens, des vidéos, des e-books. Et c'est vraiment fait pour vous. C'est gratuit.
gratos, je les ai faites pour que vous puissiez bien suivre les vidéos sur YouTube. Donc profitez-en, faites-le parce que ça me fait plaisir. Et puis c'est pratique pour vous, pour bosser. Il y a plein de sujets, plein de thématiques, du débutant au confirmé grave au pro. Il y a des trucs sur le jeu in-out qui commencent déjà à être un peu sévères. Il y a des trucs sur le phrasé jazz, il y a des trucs sur le grand débutant avec des super belles chansons qu'on peut faire vraiment en quelques jours, quelques heures de boulot. Par exemple, je sais pas, Yesterday, Wonderful Life, il y a Somewhere Only We Know, The King, il y a des belles, et puis je vais en rajouter d'autres, d'accord? Il y a des trucs pour tous les niveaux, donc allez-y, c'est fait pour vous. Et puis il y a un autre lien avec une description, ça vous envoie sur une vidéo et une page qui vous décrit la biomécanique du guitariste. La biomécanique du guitariste, c'est super facile, c'est que vous pouvez vous dire, quand vous apprenez la guitare, qu'en fait vos mains ne sont pas faites pour la guitare. Vous pouvez vous dire, non mais là franchement j'y arrive pas, c'est trop dur, il faut trop de force, je ne suis pas assez souple, je suis trop vieux, j'ai les mains trop petites, j'ai mal au cul, enfin je ne sais pas, on trouve toujours une excuse en fait. Mais il faut arrêter les excuses, il faut juste apprendre à se servir de son corps tel qu'il est. Votre corps, vous ne le changerez pas, il est comme il est. Par contre, vous pouvez optimiser votre action sur la guitare, quel que soit votre corps. D'accord? Vous ne pouvez pas imaginer ce que j'ai fait avec des gens, parce que je les ai aidés à faire, parce que c'est eux qui l'ont fait. Il y a des gens que j'ai rencontrés dans ma vie qui n'ont qu'un bras et on a joué de la guitare. Il y a des gens qui ont Parkinson ou je ne sais pas quoi, on a joué de la guitare. Parce que c'est toujours possible de faire avec ce qu'on a et que c'est un vrai challenge de faire avec ce qu'on a. 13 heures de vidéo très spécialisées, je réponds à toutes vos questions, 250 exercices et accès à vie. Allez, bye bye, ciao.